sait, c'est qu'ils attendent des documents financiers et fiscaux de la part de leur direction. On réclame les liasses fiscales de toute la division étiquette du groupe Otajon France. Parce qu'aujourd'hui, on nous refuse. Aujourd'hui, on veut nous donner les liasses fiscales juste de notre site, à nous. Bopac, à Bazouges sur le Loir, où les salariés se sont fortement mobilisés ces dernières semaines, appartient au groupe Otajon, propriétaire par ailleurs de plusieurs usines en France. Les délégués du personnel veulent avoir une vision d'ensemble de la situation économique du groupe. Prouver que le site est encore viable, c'est surtout ça. On pense que le site est viable et essayer de sauvegarder les emplois. C'est le but. Le but du jeu, c'est de sauvegarder les emplois aujourd'hui. 37 emplois sont en jeu. L'avocat des salariés a demandé un délai supplémentaire de 10 jours pour que la direction produise les documents demandés. Cette dernière affirme avoir déjà produit les pièces que la loi l'oblige à fournir. Elle accuse par ailleurs les salariés de vouloir gagner du temps et de bloquer le processus de fermeture de l'usine. Car tant que les délégués n'ont pas donné leur avis, la direction ne prend pas le risque de lancer la procédure. À 17h, le tribunal rend sa décision. Il donne tort aux délégués. Ils ont 3 jours pour se prononcer. Le juge a considéré que les documents fiscaux qui avaient été produits suffisaient et que les salariés avaient une information suffisante, justifiant, tout au moins en l'espèce, la poursuite de la procédure. Il va y avoir des propositions individualisées de reclassement à tous les salariés qui accepteront ou qui n'accepteront pas. En cas de refus, ils recevront une lettre de licenciement.